Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous présentement? Qu'est-ce que c'est? Peux-tu répéter ça, s'il te plaît? Je me présente, mon nom c'est Dominique. Moi c'est Marlène. Toi, ton nom c'est quoi? Est-ce qu'on est dans ta maison? Est-ce que tu es capable de faire un bruit? Tu répétais ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire ton nom, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux me dire quelle date qu'on est aujourd'hui? Malheureusement, je t'ai mal compris. Peux-tu me répéter ce que tu viens de me dire? Est-ce que le bruit de la machine te dérange? Je vais arrêter le bruit de la machine 2 secondes. C'est-tu mieux comme ça? Si c'est mieux comme ça, sur le bureau, juste à côté, il y a une lumière bleue, puis il y a une lumière verte. Est-ce que tu es capable de toucher à une de ces deux lumières-là, s'il vous plaît? Est-ce que tu es capable de faire un bruit ou un cognement pour nous dire que tu es avec nous? Bizarre. Est-ce que c'est toi qui fais le bruit dans le coin? Est-ce une bébite dans l'affaire? Oui. C'est peut-être la bébite.
Est-ce que c'est toi qui fais clignoter la lumière bleue? Ça marche. Est-ce que tu es capable de toucher au-dessus de la lumière bleue puis laisser ton doigt là, s'il vous plaît? Ça te fera aucun mal. Comme je te demandais tantôt, est-ce que tu peux nous dire si on est dans ta maison? Est-ce que tu habitais ici avant? Je peux rien, il bouge pas en tout. Ça flash plus, ça flash plus. La lumière en haut flash plus. Est-ce que... Comme que je dis la lumière flash plus, hein? Est-ce que tu es capable de garder ton doigt longtemps sur la machine? Ça va nous dire que tu es là avec nous. T'as pas besoin d'avoir peur, il y a pas une des machines ici qu'on a qui va te faire du mal. Ça va juste nous aider à communiquer avec toi. À essayer de comprendre si t'as un message à passer. On voit la lumière bleue qui clignote. Est-ce que tu es capable de toucher la lumière verte qui est à côté? Est-ce que tu es capable de faire autre chose que juste faire clignoter la lumière, s'il te plaît? Au bout du bureau, il y a une autre machine avec des lumières oranges. Est-ce que tu es capable d'approcher proche de cette machine-là? T'as même pas besoin d'y toucher, juste approcher proche. Est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose? Est-ce que tu as un message à passer à quelqu'un? Sur la table à côté de moi, ici, il y a une lumière verte et une lumière rouge. Si vous touchez à la lumière verte, ça va m'indiquer que vous êtes là. Et si vous voulez nous dire quelque chose ou un message à passer, si vous parlez très fort proche de la lumière rouge, on va vous entendre, on va pouvoir vous aider avec ce que vous nous demandez. Êtes-vous capable de vous approcher d'une des machines? Êtes-vous capable de cogner sur quelque chose? Si je fais ça comme ça, êtes-vous capable de répéter? On n'est pas ici pour vous faire du mal, on aimerait juste communiquer avec vous. Êtes-vous toujours avec nous? Il y a quelque chose.
Êtes-vous capable de bouger quelque chose? Regardez, on est loin des rideaux. Êtes-vous capable de bouger un des rideaux? Essayez de bouger le rideau pour nous. Ça va nous dire que ça va nous confirmer que vous êtes ici avec nous. Êtes-vous capable de changer de la lumière bleue qui clignote, soit en vert ou en rouge? Si vous gardez votre doigt longtemps dessus, ça va changer les couleurs. Ça vous fera aucun mal. On va passer à autre chose. On va aller dans une autre pièce. Malheureusement, on ne pourra pas vous parler si on est dans une autre pièce, à moins que vous nous suiviez. Si vous nous suivez, vous êtes le bienvenu, mais vous pouvez faire aucun mal à nous ou à un membre de la famille. Êtes-vous prêt à faire un bruit? Ou sinon, on va passer à autre chose. Merci du temps que vous nous avez accordé. J'ai compris. OK, lâche-la, décolle. Enlève ton doigt dessus. Merci. T'es-tu capable de la retoucher pour faire de la couleur? Astrologie. Pas de trouble, vas-y. Enlève ton doigt dessus. Merci. Es-tu capable de la changer de couleur, là? T'aimes la musique? Enlève ton doigt dessus, s'il te plaît. Merci. Oui. Es-tu capable de le refaire si c'est toi? Juste pour valider que c'était toi qui étais là. Peux-tu le refaire, s'il te plaît? Retouche, ça va rejouer la musique. On sait que c'est beaucoup d'énergie. Merci. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Dominique. Ton nom à toi, c'est quoi? Moi, c'est Marlène, mon nom. Moi, c'est Dominique, comme je t'ai dit. Peux-tu nous dire ton nom? Si tu le dis assez fort, on va pouvoir l'entendre dans notre machine. Ou si tu veux approcher proche de la lumière rouge qui est là, t'es le bienvenu de le faire. Est-ce que tu es capable de toucher à un autre de nos appareils qu'on a? Il y a un autre en haut de la TV. Celle-là en haut de la TV, tu es capable de la faire changer de couleur? Tu as juste besoin. Merci. Merci. Peux-tu le refaire si c'est toi? Tu as juste passé proche. Repasse prêt. Pour on t'en demande beaucoup. Merci. Merci beaucoup. T'es-tu capable de le refaire pour valider une autre fois que c'est toi? Merci. Donc, on sait que t'es là avec nous. OK, on va utiliser cette machine-là. T'as l'air à l'aise avec. On va te poser des questions. Quand ça va être oui, touche à la machine pour faire changer les lumières de couleur. Si c'est non, on touche pas. Est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es une femme? T'es une femme? Est-ce que tu connais les personnes qui sont dans la maison présentement? Est-ce que tu habitais ici?
Est-ce que... T'es-tu capable d'allumer la couleur de la machine? En plus de faire partir la musique. De ce que je comprends, t'habitais ici, c'est ça? Si t'habitais ici, mets la couleur sur la machine. Arlène? Oui? Ça, ça joue, puis ça, ça clignote en haut. Mais là, j'ai pas assez de caméra pour, pour poigner les deux. Ok. Est-ce que t'es encore avec nous? Oui, t'es encore avec nous. Ok. Comme on a dit tantôt, là, on t'a posé la question si t'étais un homme ou une femme. Est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es une femme? Juste toucher à la machine, il faut changer les couleurs si c'est oui. Est-ce que t'es une femme? Est-ce que t'es une fille? Est-ce que t'es un garçon? Est-ce que tu es encore avec nous? Oui. Merci. Est-ce qu'on te dérange? On te dérange? Est-ce que tu aurais un message à nous dire? Est-ce que tu es capable de toucher à une autre machine, s'il vous plaît? J'ai une question un peu délicate. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Vous savez que vous êtes décédé? Est-ce que vous savez que vous rendez la famille qui reste ici dans la maison mal à l'aise? Vous le savez? Est-ce que c'est fait par exprès? Est-ce que vous avez un message à leur transmettre? Êtes-vous encore avec nous? Approchez de la... Faites partir la musique si vous êtes encore avec nous. Il vient de flasher les lumières de coin en haut. Je vais faire un test avec vous. Dans ma main, juste là, j'ai une lumière verte. Est-ce que vous êtes capable de venir la toucher? Ça irait mieux si j'allumerais la lumière. Je vais la déposer sur la table d'abord. Si vous voulez pas venir, vous allez proche de ma main. Êtes-vous capable de désallumer les lumières qui sont là? C'est le même principe que la lumière qui sonne puis la lumière en haut de la TV. Tout ce que vous avez à faire, c'est approcher puis toucher proche de la machine. Êtes-vous capable de cogner sur quelque chose? Oui.
Si vous êtes capable de donner trois petits coups de ces... mettons sur le mur, êtes-vous capable? Un peu comme ça. Tu veux être sûr que ça enregistre le poutin et le piton rouge, ça me dit. Mais si tu t'accotes sur toi, ça se peut que t'aies accroché. Peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici encore avec nous dans la pièce? S'il y a quelqu'un dans la pièce, pouvez-vous allumer une lumière ou faire un bruit, s'il vous plaît? Tu es en train de me demander quand tu me l'as donné, Dom, si tu enregistrais tout à l'heure. Ouais. Bizarre. Est-ce que je vous fais peur d'être dans la pièce? Aimeriez-vous être avec un des trois madames? Si je te fais peur et tu veux que je sorte de la pièce, allume une des lumières, s'il te plaît. Si tu allumes une des lumières... Oups, le code 2 vient de l'arracher. Pour vrai? Ouais, j'ai vu la lumière qui m'a fait une lumière au deuxième mois. Je sais pas. Est-ce que tu es capable de retoucher à un des appareils? Quand tu peux voir, tu y as touché, là, puis ça fait pas mal. Vas-y encore. C'est ça. Tu es capable de toucher une autre lumière, s'il vous plaît? Non. Non? Est-ce que tu veux que je sorte de la pièce pour rester avec les trois madames? Va-t'en. Merci. Ben voyons donc, Botan. Vous avez compris? Ouais, j'ai compris. Ouais. Ça a du Botan. T'es pas à l'aise quand Dominique est avec nous? Il est pas ici pour vous faire... C'est venu, le code 2, il a vu deux lumières. Ouais, c'est ça, j'ai dit. T'es pas à l'aise quand Dominique est là? Regarde. Pourquoi t'es pas à l'aise? Il est pas ici pour te faire mal, il est juste ici pour venir te parler. Dominique est vraiment pas méchant. Il y a des enfants lui aussi, c'est un papa. J'ai 5 enfants. Je vais en avoir un sixième bientôt. Tu peux être en confiance avec Dominique. Il te fait peur? Est-ce que ça veut dire que c'est non? Est-ce que tu peux répéter quand je t'ai demandé si Dominique te faisait peur? Est-ce que c'est parce que j'ai une grosse voix? Est-ce que tu es contente que je sois en dehors de la chambre? Oui, ça a clignoté, Dom. Le code 2. T'aimes mieux quand il est loin? Assure-toi que t'as tous les appareils, non? Oui, je les ai toutes. Tu te sens mieux quand Dominique est en dehors de la pièce? Il est pas ici pour te faire aucun mal. T'as pas à avoir peur. Non, du tout. Je suis pas ici pour te faire aucun mal du tout. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non.
Il y a un paquet de voix. Il y a des sites radio, là. Mais il y a un paquet de voix qui passent en même temps. Est-ce que tu as un message à nous transmettre? Ou à transmettre à la famille? Si t'as quelque chose à dire, tu peux le dire, on va t'entendre. C'est quoi ton nom? Quoi? Oui, toi. Il y a un gars qui répond. Vincent? Oui, j'ai entendu. Vincent? Est-ce que ton nom, c'est Vincent? Est-ce que tu t'appelles Vincent? Le code 2, il est venu... C'est quoi ton nom? Il y a combien de personnes dans la maison? Présentement, dans la maison, il y a Dominique, il y a moi, Mélanie, il y a ma mère, Chantal, et il y a Marlène. Est-ce qu'il y a d'autres mondes aussi? T'es-tu capable de dire la couleur du chandail à Mélanie, s'il te plaît? Est-ce que t'es encore avec nous? Est-ce que t'as entendu sur le côté? Ouais, c'est ça, moi aussi. T'es sur le côté? Quel côté? T'es à côté de quoi? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la chambre avec nous? C'est quoi ton nom? T'es-tu capable de cogner sur quelque chose? Oui? Répète ce que je vais cogner. Tu es capable de le refaire? Tu as le code 2, il fluctue. Tu veux-tu qu'on change de pièce? On va changer de pièce. On va aller dans une autre pièce. Tu peux nous suivre, y a pas de problème. À l'autant que tu ne fasses aucun mal. Je sais pas comment... Est-ce que tu es capable de bouger les chiffres, s'il vous plaît? Est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu es capable de toucher à une des lumières, s'il te plaît? Okay. Aucune? Pourquoi tu n'es pas capable de toucher à aucune des lumières? Ça te fera pas mal. Merci.
T'es capable de mettre la couleur sur la lumière? Non? C'est trop dur pour toi? Est-ce que tu as un message à nous transmettre? Est-ce que c'est toi qui as mis la machine à 666? Salut, moi j'appelle Mélanie. Moi c'est. Oh, vas-y. Moi c'est Dominique. Moi c'est Marlène. Chantal. Toi c'est quoi ton nom? Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que tu as dit ton nom c'était Max? Il y a des lumières sur le bureau. Est-ce que tu es capable d'en faire changer une coupe? Est-ce que tu es capable de changer quoi que ce soit sur les machines? Merci. Si c'est toi qui as changé les chiffres, t'es capable de le refaire, s'il vous plaît. Vas-y, change les numéros, s'il te plaît. Sur le coin du bureau, il y a une petite machine, elle fait de la musique. Est-ce que tu es capable de la faire partir, s'il te plaît? Quand on était dehors, là, tu la faisais partir. Fais-le encore. Tu peux toucher à n'importe quelle machine sur le bureau, ça te fera pas mal. Ça va juste nous dire. Fais juste mettre ta main devant une machine. Il y a une des lumières qui va s'allumer. Tu peux toucher à la machine que tu veux. Il n'y a pas de problème. Il y a une machine qui fait du bruit, qui a comme des postes de radio avec une antenne. Est-ce que tu es capable de bouger cette machine-là? Fais juste lui donner un coup pour la faire tomber. Est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu es dans une autre pièce? Est-ce que tu veux qu'on change de pièce? Si tu veux qu'on change de pièce, allume une des lumières, s'il vous plaît. J'ai entendu citer quelque chose. Ouais. Tu peux-tu me dire la couleur de mon chandail, s'il vous plaît?
On va être obligé d'aller faire une autre pièce. Elle vient de dire vas-y. Elle a dit vas-y. Est-ce que tu me dis vas-y? Est-ce que t'es tanné de nous voir dans la pièce? Non? Ça fait trois fois que j'entends la même voix d'une femme. Tantôt, elle me dit « sors », tandis qu'à l'autre bord, ici, elle me dit « vas-y », puis là, elle répétait quelque chose. T'es capable de nous parler? C'est quoi ton nom? Est-ce qu'on peut t'apporter de l'aide? Là, juste ici, je viens de voir comme une petite boule blanche passer comme ça. Mais elle n'a pas passé devant la caméra, là, je sais pas. Je te répète la question. Est-ce qu'on peut t'apporter de l'aide? Est-ce que tu peux cogner sur quelque chose, s'il te plaît? On va aller dans la pièce à côté. Est-ce que tu vas nous suivre? Est-ce que tu as dit oui? Si c'est oui, t'es le bienvenu nous suivre, mais tu peux nous faire aucun mal. On va te remercier de ton temps. On va passer à l'autre pièce. T'es bienvenu nous suivre, mais tu peux nous faire aucun mal. Ceux-là qui veulent pas nous suivre, vous pouvez toujours aller rejoindre la lumière aussi. C'est là que vous devriez être avec vos proches. C'est là que vous aimez. Qui a dit bien joué? C'est bizarre, c'est une bonne question. Comme... Ouais, c'est spécial. Regarde, je suis parti d'enregistrement. Ouais, puis arrêté de. Ça a carrément arrêté de plager. Moi aussi, j'ai arrêté de filmer. Il veut pas se faire filmer. Tu veux pas qu'on te prenne à la caméra? Qu'il dit non? Ouais. Tu veux pas qu'on te prenne? Ok, je vais fermer la caméra à une condition. Allume la lumière là, qui fait de la musique, s'il vous plaît. Si tu l'allumes, je ferme la caméra. Mmh. Oui, la lumière bleue. Celle-là, ici, là, c'est le coin. Touji. Allume-la, puis j'arrête de... Je ferme la caméra. T'es-tu capable de l'allumer, s'il vous plaît? On filme pas, hein? OK. Merci beaucoup. Là, je t'avais promis de fermer la caméra si tu la faisais flasher la lumière.
Je veux juste valider que c'est toi qui l'as fait. Refais-le, puis je te le promets, promets que je ferme la caméra. J'ai déjà fait un effort, là. J'ai fermé la lumière. T'es-tu capable de me flasher la lumière, s'il vous plaît? Touche au-dessus de la lumière. S'il vous plaît. Non. Non? Tu peux-tu répéter ça, s'il te plaît? Est-ce que tu es un homme ou une femme dans la chambre avec nous? Bon, tu veux plus répondre? On va y aller. Merci beaucoup de votre temps.